Oh, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce neuvième épisode de Jour de Coupe, euh, votre débrief préféré hein, de la journée de Coupe d'Afrique et de Coupe d'Asie. Neuvième épisode donc. On on est quoi, samedi, dimanche, je ne sais plus. Dimanche, on est dimanche. Je suis un peu paumé. Hein. Ça y est, quand on est en mode, euh, en mode match dans tous les sens, on finit par être perdu et à perdre la notion de calendrier. Euh, bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat. Je vois Xixon, je vois Rudy qui est en pleine séance de loterie euh, entre Rennes et l'OM. Oui, notez le sacrifice du bonhomme hein, qui n'est pas allé voir le match euh, pour vous, les amis. Euh, voilà. Euh, bonsoir à Lookman, à Gringo et à ma foi qui sont là. Euh, on va en parler de l'Asie justement, on va démarrer d'ailleurs par l'Asie ce soir une fois n'est pas coutume, on va, on, va, on va démarrer par ça. Euh voilà, le temps pour moi de vous présenter ceux qui vont m'accompagner. Tu trembles de la loterie <laughs> bah après, euh, ouais. Bon, après, ça, il va falloir qu'il y en ait un qui cadre pas. quoi. Euh, salut à Antoine Dupes. Tiens, dis donc, ça faisait un petit moment. Salut à toi. Euh, donc, je le disais, le temps de présenter ceux qui vont m'accompagner. Vous l'avez euh, compris, hein, c'était déjà le cas euh, hier notamment. Euh, lorsque l'on a fait euh, l'émission, elle est un tout petit peu raccourcie parce qu'on a le pré-Olympico qui arrive derrière à minuit. Donc, on va faire l'émission. On coupera un petit peu et ensuite on reviendra pour le, pour le pré-Olympico. On coupera le temps de préparer les affaires, de changer certaines choses. Mais bon, bref. Allez, on ne perd pas trop de temps. Je présente ceux qui m'accompagnent. Et comme on va commencer par l'Asie, je vais commencer par l'asiatique, euh, entre guillemets, de, 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 de mes deux compères. Monsieur Jonathan Branger. Salut Joe. Salut Nico. Salut tout le monde. Et à tes côtés, euh, oh, quelqu'un qui est entre l'Afrique et l'Asie, mais on le dit depuis le début hein, de ces émissions. Euh, Monsieur Khaled Aka Comment oui. vas-tu bah Ça va Nico, ça va Joe, et bonjour et bonsoir au chat, euh, qui, qui, qui est toujours fidèle au poste. Ça fait plaisir, toujours les mêmes. Et voilà. Exactement, et vous l'aurez noté, hein, un euh, cours en mode euh, micro euh, micro euh, top niveau hein, ce soir. Ah ouais, Même ouais, si ouais, ça allait, est... Hein, franchement, ça allait hein, sur les précédentes, c'était bon. Quoi. Mais là, on, est, on, voilà, on a franchi un palier. Quoi. Le mec Tout revient du fait. Qatar, il a un nouveau micro. Voilà. Tout à fait. Je n'en <laughs> dis pas plus, je vous laisse tirer les conclusions qui s'imposent. <laughs> Voilà, <laughs> exactement. Et donc, voilà, on va y aller. Ben justement, justement, on va commencer par l'Asie. Euh, L'Asie, ça va aller vite, à moins que l'on ne parle un peu des sélections qui mériteraient plus. Ouais, je pense qu'on le fera lorsqu'on débriefera entre guillemets euh, donc on fera un, une sorte de bilan de la, de la, hum, de la phase de groupe, concrètement. On va revenir sur les matchs du jour hein, du, côté, euh, du côté de l'Asie. Alors, effectivement, on va commencer. Bah, en fait, le, le match que l'on attendait tous aujourd'hui, euh, c'était ce Oman Thailand, forcément, euh, parce que c'était peut-être celui qui avait le plus d'enjeux sur le papier. Euh, C'est justement ce dont on va parler avec toi, euh, euh, Joe. Que dire à part que euh, bah finalement euh, ouais elle a un peu le pétard mouillé au niveau du match c'est vrai que ça a été assez décevant alors qu'on s'était bien hypé euh, mais mais j'en veux dire euh, Jo euh, la Thaïlande euh, pouvait se contenter d'un nul euh, bah elle se contente tranquillement de son nul bah oui, c'est ça le pétarmonier. Tu as tu as, as employé le bon mot. On, on attendait beaucoup cette rencontre. On attendait beaucoup. On voulait savoir ce que la Thaïlande allait faire dans cette rencontre face à un adversaire beaucoup plus élevé. Et au final, on a assisté à moi ce que je considère personnellement hein, euh, comme le, parmi les pires rencontres de la Coupe d'Asie pour le moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était absolument abominable. C'était euh, alors... <laughs> très... Long. Alors, autant... La deuxième mi-temps a été, on va dire, il y a eu, on va dire, un regain d'énergie de la part des, des 22 joueurs. C'est bien, ils se sont, ils se sont réveillés. Mais alors, la première mi-temps, alors, ce qui montre ça, c'est que depuis le début de la Coupe d'Asie, nous, on assiste à des 8, 10, 11 minutes d'arrêt de jeu. Et là, pour la première mi-temps de Oman Thailand, il y a eu 3 minutes d'arrêt de jeu. Ça veut tout dire. Et alors, ça veut vraiment, ça veut tout dire. Il ne s'est absolument rien passé. Il y a eu une tête, une belle tête de soupe à Supachai au bout de 15 minutes, avec un bel arrêt du gardien d'Oman. Alors là, on se dit, ça y est, c'est parti, on va assister à un festival. Bah non. Je te coupe, mais effectivement, comme le dit Xizon, il y a cette énorme occasion. Elle est énorme quand même, hein, l'occasion. Ah, mais oui, 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 oui. Elle, 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 est, elle est énorme. Euh, je veux dire, on, on a tous cru au but. Euh, je pense les, les joueurs le, le premier. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, le match est enfin lancé, parce que c'est vrai que les, bon, les, les, les 14 premières minutes étaient, étaient fades. Et ben en fait, non, pas du tout. On dirait que les, les deux équipes se sont même encore plus recroquevillées en se disant peut-être Oman s'est dit, bon, on, la Thaïlande a l'air plus dangereuse qu'elle n'y paraît. La Thaïlande s'est dit, bon, on a eu peut-être l'occasion de la première mi-temps, on ne va peut-être pas faire plus pour le moment. Donc en fait, Oman a commencé à jouer de manière un peu horizontale et à faire tourner le ballon. La Thaïlande a attendu et on a assisté à ça jusqu'à la, la 45e minute. Voilà. En deuxième mi-temps, il y a eu, comme j'ai dit, voilà, un petit regain de la part de, des joueurs des deux équipes, mais en fait, je me suis vite rendu, vite rendu compte, et les observateurs ici aussi, bah en fait, la Thaïlande allait jouer le 0-0. C'est aussi simple que ça. masatadaishi a aligné exactement la même équipe que contre les Kyrgyz, mais en fait, avec une animation totalement différente, qui était en fait euh, une animation complètement passive. Euh, on attend. On attend, on détruit le jeu d'Oman, on fait des fautes à répétition, des petites fautes, des micro-fautes qui vont complètement détruire, un, le jeu d'Oman et deux, peut-être leur, leur morale. Euh, et, ça a été, et ça a été ça a été ça jusqu'à la fin du match. Il y a eu quelques longs ballons en, en direction de Soupanat euh, en deuxième mi-temps qui auraient peut-être pu exploiter, mais on revient au même problème que lors de la première rencontre. La Thaïlande n'a pas d'avant-centre pur et dur. Voilà, euh, tel tiracile. Euh, donc, ce qui fait qu'on a, on a, on a, je crois, deux tirs cadrés de la part de la Thaïlande sur le, toute la rencontre, un tir cadré de la part d'Oman. Voilà, ouais, c'est un zilon, c'est un pétard mouillé. Et à la fin, euh, à la fin bah, on a vu les Thaïlandais... Euh, et le coach et le staff, les joueurs, euh, voir le public célébrer ça comme une victoire, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ils étaient venus chercher un pauvre 0-0. Et, et en plus, ce qui est assez intéressant, et alors c'était assez clair, et de toute façon on le voyait déjà sur les images, à chaque fois qu'il y avait des images sur Ishii en deuxième mi-temps, il regardait sa, sa montre. Donc, ah oui <laughs> Ah oui, oui, il voilà. a plus regardé sa montre que le match. Hein. Ah, oui, 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 je pense qu'il a, qu a bien vu l'heure passer. Mais, oui, oui, oui. euh, mais, mais c'était marrant. Enfin, c'était marrant. Non, c'est pas marrant parce qu'au final, comme tu le dis, on attendait beaucoup hein, de ce match. Euh, mais en fait, on a et tu l'as bien résumé, on a, on a vraiment euh, deux temps. On a la sensation qu'en tout début de mi-temps, la Thaïlande s'est dit on va essayer de faire un truc. Mm -hmm. Et très vite, bon, bah, finalement, euh, attends, ça va. <laughs> Ben moi, moi, je, moi, moi je, tu, tu as totalement raison. Je pense qu'il ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont essayé de faire un truc comme de, de, contre les Kyrgyz, et puis après, ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas les Kyrgyz en face. Ils ont dit, <laughs> ah bon, merde, il y a du ballon là quand même. Il y, a des, il y a quand même des joueurs de ballon. Il y a quand même des gars qui, savent, qui, qui ont une capacité d'accélération, du physique, etc. Ils ont dit, bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait Ah bon, on va attendre alors, hein, on va se calmer direct, parce qu'on a plus de chances d'accrocher un nul contre eux que contre l'Arabie saoudite. En fait, clairement, c'était ça le message. C'était quitte à, quitte, à, quitte à être ennuyeux. Quitte à être sans intérêt, bon, avec eux, avec une équipe d'Oman, je continue à le dire, alors là, on n'est on pas, pas d'accord parce que tu m'as dit que j'étais très sévère lors de la première émission, <laughs> mais je continue à dire qu'Oman, je m'excuse, ça ne propose rien. En plus, euh, je vais ajouter quelque chose, on va dire que je fais une fixette, mais euh, je vais aller jusqu'au bout de, de mon délire. Euh, c'est une équipe de chialeuses, c'est une équipe euh, de pleureuse, c'est une équipe... Euh, qui n'est pas vraiment courageuse, qui passe son temps à vociférer sur l'arbitre, à, à tomber, à pleurer, alors qu'ils qu font en physique deux fois le physique des Thaïlandais. Euh, on a des belles bêtes hein, du côté d'Oman, il oui. faut le dire. Euh, côté thaïlandais, on est sur du 1 mètre allez, si on est sur du 80 de, de moyenne de taille. Bon, bah, C'est le bout du monde. Donc, face à une équipe qui, en plus, voilà, ne, ne propose rien comme Oman. Bah, la Thaïlande s'est recroquevillée, ce qui fait que a... les deux équipes se sont neutralisées et on a assisté à, pour moi, ce qui est dans le top 3 des pires rencontres de, de la, de la compète. Ouais, tout, hein. ouais, ouais non, on est complètement d'accord. Euh, T'es injuste, ça a essayé de proposer d'accélérer, de percer, mais prendre ça pour tout. Ouais, après, après très, franchement, Alors, euh, hum, hum. très franchement, là où je rejoins, là où je rejoins Joe là-dessus, c'est que, ok, par moment, ils ont essayé, mais très franchement, ça ne va pas loin quand même. Et, euh, et on l'avait dit, dit au premier match face à l'Arabie Saoudite, où franchement, dans un monde où l'Arabie Saoudite règle la mire, il y avait un score beaucoup plus large. Euh, ou en tout cas, ils attendaient pas la fin, la toute fin de match pour euh, justement pour, pour arracher la victoire, l'Arabie Saoudite, face à Oman. Là, on exact. attendait quand même à ce qu'Oman qu propose beaucoup plus. Alors, parce que on, vous voyez les stats, hein, si vous n'avez pas vu le match, mais oui, ils ont eu le ballon, mais alors ils n'en ont rien fait. Non, non, ils n'en ont, ils ont rien fait. Ça a été... En fait, Alors, pas, je... Attends, mmh. deux secondes, je termine. Et en fait, pas par envie de maintenir un match nul ou quoi que ce soit, mais parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, en fait, devant. Ils ne savent pas quoi en faire, exactement. Bah voilà. Donc, d'un côté, on avait Oman qui ne savait pas quoi faire du ballon versus la Thaïlande qui ne voulait pas gagner ni perdre. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvé face à cette purge. Alors... Je, je rejoins ce qui a été dit dans le message. Euh, Patti Watt, le, le gardien, a fait un très bon match. D'ailleurs, ça, c'est une des, des satisfactions de la Talente. Je vais parler un peu des satisfactions quand même. Euh, Patti Watt a fait un excellent match. Il prouve que c'est vraiment le gardien pour le futur de la sélection, qui remplace Chatchai, euh, le gardien de Biji Patoum. Je pense qu'il est mieux. Il commence à arriver à maturité, donc ça, c'est excellent. La défense centrale a été impeccable. J'ai été vraiment. Euh, agréablement surpris par euh, Dola, Elias Dola et Pansa, bon, qui sont deux bons joueurs à la base, hein, donc euh, la, la surprise n'est pas énorme, mais leur complémentarité faisait un petit peu discuter au début de la compète, où on se, se disait que Pansa euh, n'était pas l'homme le, le, idéal, et franchement ce soir il m'a bluffé par le nombre d'interceptions qu'il a pu faire, notamment en fin de première mi-temps, euh, qui était assez spectaculaire, euh, Elias Dola certains médiataïs disaient qu'il n'avait rien à faire en sélection parce qu'il est trop lourd, trop machin, etc. Moi, je pense qu'il faut qu'il soit là. Il apporte une présence physique qui manque dans cette équipe. Donc, on va dire que voilà, ce triangle, euh, Patti Watt, Dola, euh, Pansa, impeccable. Pour le reste, Tiraton, il s'est recroquevillé très, très vite. Mmh. Mikkelson, qui normalement passe sa vie devant, bon, ben là, il est resté derrière. Le milieu de terrain, Viratep, qui est un peu le seul qui a essayé de construire, qui a essayé de, de jouer en, euh, avec, comment je peux dire, de casser les lignes de, de Oman, mais bon, et casser les lignes pour personne, puisque les avant-centres, ce soir, avaient décidé de, bah, de, de ne rien faire, tout simplement. Euh, the Star is Born sous Pacha, et ben bah, voilà, bah, The Star is not born anymore. Hein. <laughs> euh, et voilà, il a été complètement éteint par la défense de, de Oman. Écoute, la quasi-qualification est là. Donc oui. euh, la satisfaction est grande. Et, et, jeu... et, 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 et comme oui. tu le disais, hein, ça a été célébré à la fin du match comme une victoire ah, parce qu'il y a quasi-qualification, ils ont 4 points. Euh, J'en profite hein, pour saluer à leur ami, euh, Jérôme Snix et Pedrito Football qui sont arrivés dans le chat. Bonsoir à vous. Euh, la qualification, elle n'est pas assurée encore, hein, mais elle est quasiment non. là. Euh, on ne sait pas à quelle place parce qu'il y a un monde où Oman met une grosse tôle au Kirghizistan et... Aussi, il y a un autre monde dans lequel euh, la Thaïlande peut prendre une grosse tolle face à l'Arabie Saoudite, quoique, on va en parler dans un instant, ce n'est pas garanti non plus. Euh, ils ont célébré. Tu me parlais l'autre jour, à l'issue du, du, du premier match face au Kyrgyzstan, de l'enflammade absolue hein, qu'il y avait euh, à l'issue du match dans les médias et chez les suiveurs Thaï. Il en est, il en est quoi là J'imagine qu'ils ont gagné la Coupe du Monde là <laughs> bah, 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 En fait, c'est assez partagé. Beaucoup de gens soulignent quand même l'ennui. Euh, L'ennui euh, qui a prédominé pendant tout le match, c'est vrai que, que bon il y a quand même ce sont quand même des connaisseurs du football et franchement la majorité admettent que ce fut pénible. L'autre point positif qui est souligné pour le moment, c'est on va dire quand même la sérénité globale dégagée par la Thaïlande. C'est vrai que euh, peu de panique. Euh, et donc, ce qui fait qu'on qu se retrouve face à une équipe qui finalement a été assez mature dans ce qu'elle a fait. Elle n'a pas fait grand-chose, elle n'a fait que défendre et attendre. Mais c'est vrai qu'il y a eu peu de panique au final. Et euh, ce sont ces deux points qui sont surtout soulignés. Et puis évidemment, oui, la qualification, enfin la quasi-qualification. Oui, parce qu'alors pour ne pas y aller, il va falloir un sacré concours de circonstances. Hein. Oui, et puis ça va dépendre beaucoup du score en fait. Ouais. C'est ah, à savoir, est-ce que. À, la, je, je, comment, comment je peux dire ça euh, combien de buts Oman va mettre au Kirghiz Ça c'est le premier point. Euh, et le deuxième point, c'est combien de buts va encaisser la Thaïlande face à l'Arabie Saoudite. Maintenant, si c'est l'Arabie Saoudite que j'ai vu ce soir, bah, pourquoi pas un petit match tu nul seras, là, tu, euh... seras tranquille, Jonathan. <laughs> tu seras tranquille, j'en attends. Letko, c'est rassurant. Mais justement, on va, on va, y aller. On va y aller sur l'Arabie Saoudite. Euh, je vais Juste un petit mot Nico ouais, Juste Un petit mot, euh, Terraton qui a joué son centième match aujourd'hui. Voilà, faut, voilà, comme ça au moins tout le monde est au courant. Donc, un nom... pro... Oui, vas-y, vas-y. Et à propos de nombreux 100, j'en profite, je, je rebondis. Euh, la Thaïlande avec ce, ce nul contre Roman. alors ça peut paraître symbolique, anecdotique pour, 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 pour plein de, de, de personnes, mais se rapproche euh, tout doucement du top 100 euh, mondial. Voilà. C'était et, bah, euh, voilà. et ce serait la première fois de son histoire, donc tout dépend la suite des événements dans cette Coupe d'Asie, mais pourrait atteindre finalement le top 100 euh, mondial des, du, des classements des nations. Voilà. Et, 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 alors. Ça c'est quand même c'est quand même un marqueur assez important euh, et c'est ça sera forcément souligné. Euh, je salue les derniers qui arrivent. Je vois Francky et Chris qui arrivent. Oui, j'ai vu Victor de rennes à la séance de loterie. Je, vous avez vu hein, quand même qu'une séance de loterie très française d'ailleurs puisqu'il n'y a eu aucun arrêt de gardien euh... <laughs> et la plupart des et la plupart des tirs à contre-pied, euh, même si Paul Lopez n'est pas un gardien français. Mais bon, on voit quand même que euh, voilà, ce n'est pas ça, un gardien tout court d'ailleurs. Ça se travaille. Non mais tu vois, tu sens qu'il y a un vrai travail au sein des clubs. Hein. Oui, oui, bah, de toute façon, quand le meilleur gardien français, pendant des années, disait que ça servait à rien, qu -ce que Voilà, c'est ça. Bah, J'ai vu Rouen Toulouse à leur ami, justement, bah pareil, on est allé au 22e tir et c'est pour qu'il y ait un départage parce que tous les, tous les tirs au but avaient été marqués, même par un joueur blessé. Le mec <laughs> ne pouvait pas marcher. Euh, C'était fantastique. Euh, il a juste serré les dents pour son tir au but et ça s'est fini. Euh, Toulouse a perdu parce que Soiseau a touché le poteau. Donc, euh... <laughs> et là, Marseille a perdu parce que Gigo l'a mis sur la barre. Hein, tu vois Sinon, voilà. Bref, on revient sur la Coupe d'Asie. On en parlera peut-être des séances de loterie parce que c'est peut-être ce que peut viser. La... C'était un message, un message de Xixon. Est-ce que la Thaïlande peut rêver de faire un coup euh, comme le Vietnam il y a 5 ans et atteindre l'écart en gagnant au tir au but euh, selon l'adversaire Alors, selon l'adversaire, pour l'instant, c'est quand même difficile de le définir parce qu'on ne sait pas ah, si oui. la Thaïlande finira deuxième ou troisième. Et, et j'ai même envie de dire, on ne sait pas finalement si elle sera qualifiée, parce que si elle est troisième avec quatre points et qu'elle prend une méga-tolle, attention quand même. Mais moi, bon. moi Nico, euh, si, tu, si je peux me permettre, moi, je pense que la Talente va finir deuxième. Ah bah après, pourquoi, on, on, pourquoi, on va... pourquoi Parce que je pense que Mancini va beaucoup faire tourner. Côté Alors, saoudien, vu qu'on en parlera dans quelques instants. Bah, ouais. on, 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 peut, on peut enchaîner, on peut en parler, et puis on, re, on fera des, des allers-retours avec la Thaïlande parce qu'on a Joe. Euh, mmh. On peut en parler hein, de l'Arabie saoudite qui s'est imposée 2-0 fa face au Kyrgyzstan. Alors vous voyez les statistiques euh, 27 tirs à 1, euh, 7 cadrés, 75% de possession. Vous vous dites waouh, extraordinaire, magnifique, rouleau compresseur. Oh, Ils n'ont gagné que 2-0. Alors maintenant, je pense qu'il faut qu'on. Euh, si vous n'avez rien vu. <laughs> Il faut okay, qu'on ouais. vous raconte un petit peu quand même oui, euh, oui. que euh, Leo Kyrgyzstan s'est retrouvé à 10 à la 9 e minute. Euh, horrible, ah, avec hein. avec des que, fautes, mais de... horrible. <laughs> Voilà, euh, ils se sont retrouvés à 9 à, la, à, à 10 donc à la 9e minute et à 9 à la 50e minute parce que entre chaque début de mi-temps, il y a eu des fautes de, des fautes de ouais. boucher charcutier. Euh, même si peut-être que le deuxième rouge est... Bon, mais dans les faits, il y a rouge. Bref, tout ça pour dire que oui, l'Arabie saoudite a gagné 2-0 et encore le deuxième but, histoire de finir, de vous raconter un petit peu, c'est une faute de main du gardien kirghiz qui avait été très bon jusque-là. C'est vrai, c'est vrai. Euh, sans ça, ça fait 1-0 un peu dégueulasse face à une équipe, on l'avait déjà dit en ouverture, euh, on l'avait dit avec Joe, hein, en ouverture face à la Thaïlande. Franchement, le Kyrgyzstan, c'est probablement l'équipe la plus faible de cette Coupe d'Asie et, et de loin. Euh, voilà quoi, il euh, y a eu deux 0 sur le papier c'est fait. Et tu disais, euh, tu disais Raled, euh, l'Arabie Saoudite va peut-être faire tourner. Je ne suis pas convaincu que Roberto Mancini soit dans une situation où il peut s'amuser à faire tourner. Oui, mais là, ça y est, la, la, le contrat a été rempli 6 sur 6. Euh, je pense qu'il va falloir peut-être tourner quelques. Ça grogne quelques beaucoup choix. quand même, hein Ça grogne oui, oui. beaucoup. Ah, hein. ah non, mais, non, mais moi je te le dis, moi je te l'ai dit. Euh, lors du premier match de l'Arabie Saoudite contre Oman, c'est un petit miracle que, que l'Arabie Saoudite arrache cette, euh, cette victoire contre Oman. Le jeu n'est pas bon, le fond non. de jeu n'est pas bon, n'est pas réaliste, n'est pas. Comment on va dire ça euh, N'est pas assez. Euh... Il n'y a, a pas d'identité, en fait, on en a pas. Ça joue. Il y a pas de. Non, ça essaye, mais bon, il y a des bons joueurs comme Cano, ça on l'a vu dès le premier match, et là, il confirme que c'est un élément indispensable du dispositif du, du, de l'Italien, du, du coach italien. Moi, je comprends pas pourquoi un joueur comme Garib est toujours sur le banc vu que c'est un élément déclencheur qui peut euh, foutre le feu à n'importe quelle défense asiatique. Toujours sur le banc, ça je ne comprends toujours pas. Salem El il est sur courant alternatif. Moi, je ne pense pas que cette euh, Arabie saoudite va faire mal à la Thaïlande. Hein. Je, alors, si la Thaïlande est vraiment, alors si la Thaïlande est sérieuse, euh, concentrée et en, et, et en mode commando, et je pense qu'ils vont l'être parce qu'ils ont quelque chose à, à défendre, c'est le point qu'il aurait accordé au coup d'envoi contre l'Arabie saoudite. Il leur manquera juste un point pour être sûr à 100% de passer en, en étant deuxième du, du groupe. Après, Joe pourra nous en dire plus sur l'intervent, comment euh, pourrait être l'intervent face à l'Arabie saoudite. Mais moi, je ne trouve pas cette Arabie saoudite extraordinaire. Et, et ça, en tout cas, ça ne, ça ne ressemble pas à l'Arabie saoudite qu'on a vue à, à la Coupe du Monde. Euh, enthousiaste, ah, c'est pas, hein. pas la même équipe. Après, on avait enfin euh, voilà, hein, on avait vu hein, avant la compétition, euh, c'était un peu le, le bazar en coulisses. Ça, euh, pour répondre à Onizuka, vous pensez que Mancini réussira, euh, franchement, c'est très, très, très dubitatif. Euh, les choix cohérents, bah écoute, euh, pff... après, c'est compliqué parce que. Après, Parce qu'est-ce qu'il a eu le pas... temps pour mettre en place... On parle de mettre en place une idée de jeu... Enfin euh, bon, voilà, d'un autre côté, on regarde, on regarde... On peut faire le parallèle avec la Thaïlande, et Joe est bien placé pour le faire aussi. Euh, Ishii n'est pas là depuis hyper longtemps, et pourtant la Thaïlande est cohérente quand même. On peut lui laisser ça à, à Ishii, hein, Joe Oui, oui, on peut lui laisser ça. De, 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 de toute façon, le... Il, 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 avant même sa nomination à la tête de la sélection, il était déjà réputé pour, un pour être un entraîneur qui était assez euh, proactif et avec des résultats assez euh, rapides. Donc, en plus, quand on le laisse sur le long terme, il y a vraiment des choses à voir. Donc, l'équipe a une personnalité, ça dégage quelque chose. Après, il y a vraiment un contraste, mais bon, c'est sûr qu'entre le, pre le premier match contre une équipe de Plo et Oman voilà. Euh, C'est sûr que tu t'adaptes. <laughs> moi, je, je voulais rebondir sur ce que disait Graled sur euh, le, le, le prochain match de la Thaïlande. Moi, je t'annonce, ça va être euh, la défense. Ça va double, être, ouais, euh, double rideau, bien sûr. Ah parce oui, ça être double. Et je, il va falloir se mouiller la nuque pour le regarder celui-là. Parce qu'entre l'équipe B de l'Arabie Saoudite et la Thaïlande qui va attendre, moi, j'en suis sûr qu'ils vont rien faire. Donc, du coup, il y aura un enjeu. Parce que on a ce Oman Thaïlande qui est dans les pires matchs de la compétition. Voilà un enjeu. Est-ce oh, qu'on hum. peut rejoindre ce trio Ben ouais, 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 je pense, je pense. Alors je suis désolé, à chaque fois que je passe à l'antenne, je, 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 je tue l'atmosphère, je, 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 je tue un peu l'ambiance. La dernière fois, c'était pour le Liban, et là, là, ça va être pour le prochain match. Mais bon, à moins que je, je ne sais pas. Alors peut-être qu'avec le public saoudien, et justement le fait que ce soit les remplaçants euh, de l'Arabie Saoudite, peut-être qu'ils voudront se montrer, qu'ils vont être beaucoup plus proactifs pendant y le match, oui. etc. Garib, sera... ouais, ouais, je pense que Garib Ça peut être un scénario qui fait que, et puis pourquoi pas, si la Thaïlande marque bah, d'entrée qu'une un, tête de Soupashaï au bout de 10 minutes et que les Saoudiens, avec leur ego, veulent dire non, non, nous on va finir premier du groupe, on peut peut-être finalement assister à, à une belle rencontre. Je sais, je ne sais pas, je le souhaite en tout cas. Moi, je ne moi, je pense pas, euh, ni, euh, Joe, tout simplement parce qu'un euh, match nul euh, concorde… Concor 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 Contente tout le monde pardon. Exactement. Le match voilà. nul permet à l'Arabie Saoudite de rester première. Le match voilà. nul permet à la Thaïlande de rester oui. première. Et il euh, y a un enjeu quand même hein, pour l'Arabie Saoudite. Euh, et j'ai presque envie de dire, il y a un enjeu pour l'Arabie Saoudite de conserver le match nul, c'est qu'en finissant première, elle se retrouve, euh, si je me rappelle bien, dans la bonne partie du tableau. La bonne partie du tableau, c'est-à-dire que elle est du côté du Qatar. Et donc euh, ah non, elle y est pas, pardon. Ah, oulala, attends, je suis en train de regarder. Euh, C'est groupe F, non, il ne faut pas qu'elle finisse première si elle veut éviter le groupe avec Iran, Corée du Sud, Japon dans la même partie du tableau. Donc elle peut aussi s'amuser à perdre. Ouais, mais j'y crois pas, Nico. Ouais, mais Mancini ne peut pas. pas se permettre de perdre. Ah non, 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 non je ne pense, pense pas. Moi, comme je t'ai dit, ça va être un match nul. Et tout le monde va être oui, content oui. et la Thaïlande, voilà. on ne l'a pas, on pas hum, souligné, mais ça fait deux clean sheets. Euh, donc, il se pourrait avoir un troisième clinchit pour la Thaïlande, ah. vu que c'est une équipe qui s'est pris un 5-0 face au Japon en match amical euh, juste avant la Coupe d'Asie. Mais, mais on est d'accord, et... Joe euh, le match face oui. à l'Arabie Saoudite, Quelle que soit l'Arabie Saoudite qui sont en face, normalement, même si c'est l'équipe B sur le papier, ça reste en théo, ça reste normalement supérieur à la Thaïlande. Oui. Et pour le coup, on va dire que c'est le vrai test de cette Thaïlande, quoi. Hmm. Ah oui, oui, ça va être le, le vrai test de cette Thaïlande. D'abord, ça aurait été peut-être le, le... à la limite, ça aurait été un test un peu plus, euh, comment dire? Euh, un peu plus intéressant à analyser si ça avait été le premier match ou peut-être le second match. Parce y avait eu de, un vrai enjeu. Euh, voilà un vrai enjeu. Là, Là, moi aussi, je pense que euh, franchement, hein, si, si à, la 60e, euh, à la 60e minute, il y a 0-0, on peut tous partir. Hein, parce que les gars, ils vont tous se regarder, les 22 joueurs, ils vont tous se regarder, ils vont dire, bah, attendez, on est tous qualifiés, là, on est tous à la place euh, dans laquelle on souhaitait être. Euh, Oman et les Kyrgyz ils doivent, ils, on sait pas ce qu'ils font, mais euh, bon, grosso modo, on s'en fout. Et euh, voilà, mais, mais ça, va être, ça va être un vrai vrai test. A priori, a priori, moi, je partais pour une défaite. Mais quand je vois ce qu'a fait l'Arabie Saoudite ce soir, je me dis sincèrement que le nul n'est vraiment pas impossible. La victoire, je pense qu'on n'est plus sur une utopie euh, pour parler de victoire face à, face, face à l'Arabie Saoudite. Mais oui, un nul est tout à fait probable. Surtout que. Euh, Ishii, lui, par contre, va pas s'amuser à aligner l'équipe B1. Il va réaligner, je pense, la même équipe. Alors, euh, une donnée importante, euh, c'est très important, Tiraton ne sera pas là contre l'Arabie Saoudite. Il sera suspendu. Euh, donc, à savoir Tant comment. Mieux. Tant mieux, entre, gu entre guillemets. Ça va... Il va pas souffler. Ou. Ouais. Ouais, disons qu'il vaut mieux qu'il soit suspendu là que pour les huitièmes. Exactement. Oui, 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 oui. oui, oui vu comme ça, oui, bien sûr, vous, a, vous, a, vous avez tout à fait raison. Maintenant, ça va quand même rester un peu de faire mal parce que je trouve que la Thaïlande ce soir, enfin cet après-midi, a quand même, encore une fois, manqué un peu de personnalité face à des joueurs d'Oman qui étaient gueulards, euh, vicieux, qui essayaient toujours de, de, de la ramener. On avait des joueurs de taille et ça, ça me rend fou, qui s'excuse, qui vont relever l'adversaire, qui vont. Euh, C'est. Ils sont à l'image de leurs supporters, hein, parce que leurs supporters étaient insupportable lors de. Ah non, 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 non je, je confonds avec le Bahreïn, excuse-moi. Ah, euh, ouais, <laughs> ouais, les supporters, je... moi je. Non, non, ah, tu moins, parlais des supporters pas... d'Oman, Letco, euh, que tu as confondu avec le, le Bahreïn, c'est ça Exactement. Ouais. Voilà. Moi, je, non, moi je, parlais, je parlais vraiment des joueurs qui sont vraiment trop, 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 trop gentils, quoi. C'est quand même. Ça, c'est quand même dingue, quoi, qu'il n'y ait personne dans cette équipe qui euh, soit un peu vicieux, quoi, qui, qui bah un est un peu le. le le sens du vice mais bon ça c'est pas c'est pas juste un problème c est, c est pas un problème sportif c'est un problème c'est pas un problème c'est un aspect culturel plus ouais. qu'un problème sportif Mmh. Ouais. on va saluer euh, Zlatan je crois que je ne l'ai pas fait zlatan 93 Nick mon... est dans le chat c'est euh... mon petit frère Nico ok voilà. gary va s'amuser j'espère ouais écoute euh, laissez... Xixon qui envoie ce message clé euh, essentiel euh, laissez gagner la Thaïlande il faut ruiner Madame Pang <rire> <rire> ah ouais, alors là et en même temps on parle de la Thaïlande on est obligé de mettre un petit message pour Madame Pang laissez gagner la Thaïlande hein, journée d'accord <laughs> alors Madame Pang elle... figure-toi que je n'ai pas de nouvelles de Madame Pange, on on, elle, on la, la voit pas beaucoup là. Euh, ouais, elle est très discrète. Je ne sais pas. Soit c'est des instructions des, des, des plus hautes instances qui lui ont dit bon écoute, tu vas, tu vas un peu te mettre en retrait. Hein. Euh, ou alors, je ne sais pas. Elle est, elle est occupée parce qu'elle fait beaucoup de, de choses dans sa vie cette, cette dame. Mais c'est vrai qu'elle est très 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 discrète. Pas une photo d'elle, pas une photo d'elle en train de remettre euh, euh, quelque chose à un joueur machin. C'est vraiment. Ben, c'est vrai. Ben, je, vais, vraiment. je vais enquêter. Je vais que devient Madame Pang. Ben justement. Alors très sérieusement, euh, je pense que parce que je vois que qui demande si elle est au Qatar, mais je pense que si elle y était, on aurait vu des photos d'elle. Bah ouais, c'est ça en plus. C'est que j'essaye, euh, c'est que c'est simple. C'est zéro. Tu hâte de voir les vidéos YouTube de, sur la chaîne officielle de, de l'équipe nationale de Thaïlande. Des fois, ils font des insides, donc peut-être que tu peux. Bah oui, pour... bah je, je les regarde tous. D'accord. Euh, elle n'est pas là. C est, c est, ouais, elle est pas là. On voit les joueurs <laughs> s'entraîner, on, se on voit les joueurs se faire masser, on voit les joueurs se faire des blagues, on voit les, on voit, on voit Soupacha est en train de faire des, des, des TikTok dance challenge. Donc tout ça, c'est super cool. Mais on n'a pas vu Madame Pang. Voilà. <laughs> J'adore l'enthousiasme de Joe quand il parle de la Thaïlande. <laughs> Le mec est totalement résigné sur cette sélection. Non, <laughs> non, 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 non. Non, mais <laughs> disons que j'attendais rien de cette équipe pendant le tournoi et finalement elle va se qualifier. Ah, tu imagines bien. Bah ouais, bien, ouais. Non. Alors, alors, mine de rien parce qu'en plus et tu l'avais expliqué, il hein, y avait tout le contexte et tout. Euh, elle s'est barrée avec la caisse peut-être. Alors, hein, ami. Euh, on l'embrasse exactement. On l'embrasse, Francky, euh, Madame Pang, euh, Gringo qui nous dit que le Kyrgyzstan, c'est vraiment pas bon. Bonnet dan comme la Corée du Nord en 2019. Sauf que la Corée du Nord c'était dix fois pire. On aurait dit équipe de R2, même sans marin, propose plus que ces deux sélections. Après, on va tempérer pour Kyrgyzstan, c'est la première. Donc, ouais, euh, oui, bon. et puis sans marin, il faut pas abuser non plus. il ouais, faut pas abuser, mais euh, voilà, c'est la première. Euh, Kyrgyzstan, voilà, on va attendre. On Il va... faut qu'ils apprennent. Ils apprennent, faut exactement. Ils apprennent. Donc, il euh, y a beaucoup d'éléments à ajouter. Euh, du coup, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Je ne sais plus où j'en étais. Euh... Non, je... si, tu parlais. Euh, voilà, c'est ça, je suis revenu. Euh... Il y avait quand même un contexte très particulier pour la Thaïlande, tu l'as beaucoup évoqué, hein, euh, Joe, qui n'était pas le contexte le plus annonciateur de performance. Et au final, bah au final, elle va être réussie cette Coupe d'Asie. Elle va être réussie. Après, bon, de toute façon, ça, on en reparlera après la compétition. C'est pourquoi faire C'est-à-dire euh, là, les élections, la fédération arrive après la, 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 la compétition. Est-ce que Ishii va rester ou ne va pas rester? Moi, ben maintenant, je n'étais je, je, pas, pas vraiment pour sa nomination, mais maintenant qu'il est là et qu'on voit qu'il fait du travail plutôt cohérent en si peu de temps, moi, je, je suis pour son maintien. Maintenant, à savoir s'ils vont encore changer de coach. Alors. Allez, on ne va pas se projeter aussi loin, on ne va pas avoir une vision de long terme, ce serait quand même euh, exagéré. Mais si on s'en tient qu'à la compétition, oui, l'objectif qui était de sortir des poules. Alors, l'objectif qui était annoncé par personne, hein, on va être clair, personne n'a dit l'objectif est de sortir des poules, mais on sait que c'était vraiment le cas. Euh, l'objectif, voilà, sortir, euh, voilà. Donc l'objectif sera atteint. Quel, qui sera l'adversaire? Euh, je vais être sincère avec toi, Nico. Je suis complètement perdu avec ces histoires ah de mon troisième. Bah après, que je ouais, suis non, incapable de... On va pas, ouais, c'est ça. On va pas s'avancer parce que on... déjà on ne sait pas s'ils vont finir euh, deuxième voilà. ou troisième. Euh, la seule chose qu'on peut dire avec certitude, c'est que si jamais ils terminent deuxième. Euh, ils vont affronter le deuxième du groupe B, c'est-à-dire euh, probablement l'Ouzbékistan à moins d'une mauvaise surprise pour les Ouzbeks, euh, les, les euh, okay. ou l'Australie, hein, si l'Ouzbékistan tape l'Australie. Euh, ça, mm -hmm. c'est s'ils finissent deuxième. Par contre, s'ils finissent troisième, là, euh, pff, voilà, ça va dépendre de leur niveau, de leur classement de machin. Okay. C'est trop compliqué. On ne va pas entrer dans ce calcul-là mm -hmm. parce que de toute façon, on, on va s'y perdre. Nico, oui. j'ai une question. Est quel, est le meilleur, quel est le meilleur parcours de la Thaïlande en Coupe d'Asie C'est quoi Demi finale Non, non, oh, non. Non, c'est quoi Quart Ouais ouais c'était quart. Ah, ouais. Ok, donc, donc, donc pour toi, si cette année ils font quart de finale, ça serait une très belle, un ah, très oui. bon parcours. Ah oui, oui, oui. Bah, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis tout dépend aussi de la manière dont tu sortiras euh, lors des, 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 des prochains tours. Voilà, bien si fait. tu sors avec les honneurs, si tu rencontres une équipe plus forte que toi, comme l'Australie, mais que tu arrives quand même à aller au bout, voire les amener au tir au but, je veux dire, ce sera. Il faut, il faut, il faut, pa... il faut, il faut sortir de cette compète avec honneur. Alors, si la Thaïlande ouais. arrive à sortir la... cette si belle Australie de Graham Arnold, alors là, je pense qu'elle sera, sera élue équipe l'eau de l'année. Ah, parce oui. que franchement, si elle peut nous dégager l'Australie, moi, je serais. Ah, bon. Bah oui, l'équipe qui éliminera l'Australie, on sera tous pour elle. Mais euh, alors, <laughs> juste une précision euh, parce que je vois le message de Xigzon, Je viens de checker rapidement et voilà, effectivement. Alors en 1972, la Thaïlande est troisième euh, de la ah, compétition qu'elle organise, mais c'était très particulier parce qu'il y avait six équipes, donc la phase, il y avait une phase de groupe. Tu vois où il y okay. avait deux groupes de trois. Euh, ils été, donc, ils avaient été demi-finalistes. Concrètement de l'épreuve, puisqu'ils ont fini aussi troisième. Et alors, si vous voulez le détail, parce que j'ai le parcours qui est assez rigolo, sous... ils étaient dans le même groupe que l'Iran et l'Irak, et ils avaient pris un point euh, contre l'Irak. Euh, ils, euh, ils avaient perdu euh, contre l'Iran, de justesse d'ailleurs. Et donc, euh, ils ont perdu euh, leur demi-finale au tir au but, et ils ont gagné le match pour la troisième place euh, au tir au but, ce qui fait que la Thaïlande a fini troisième de la Coupe d'Asie 1972 sans gagner le moindre match. Voilà. <laughs> Moi, j'annonce un scénario comme ça pour cette Coupe d'Asie. Il chie, il indirect. Mais hein bon. Mais par non, contre, non. après, dans les, dans les formules, dans les formules, euh, dans les formules plus denses, dense, plus plus, plus, plus large, euh, bah déjà, déjà, on va pas se mentir. C'est quand même assez. Enfin, C'est la deuxième fois, euh, enfin, ils étaient là en 2019, mais 2015 mmh. et 2011, ils n'étaient pas là. Mmh. Euh, avant, ils ne passaient pas la phase de groupe, et 2019, c'était déjà un parcours réussi avec un huitième de finale. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Non, 2019 avait été réussi. Euh, C'est pour, pour ça que les, les ambitions euh, on on restent quand même modérées. Euh, Ceci étant dit, moi je pense qu'avec des si, mais euh, avec des institutions solides, euh, une, une espèce de cohérence dans la direction sportive, euh, quasi pas de changement au niveau du, du staff et des entraîneurs, etc., etc. Je sais, ça fait beaucoup de si, vous allez me dire, ouais, mais ça c'est pas possible. Mais enfin, je pense que la Thaïlande aurait pu sincèrement être un sérieux outsider pour cette compète. Mais bon, euh, comme le monde idéal n'existe pas, on se retrouve face à une équipe qui a commencé euh, la compétition en plein chaos. Et oui. basé sur ce chaos, dans ce contexte chaotique, c'est sûr que passer les poules, c'est vraiment un très, très bon, euh, une très très bonne performance, vraiment. Exactement, exactement. Et non, en 2007, Nostromo, la Thaïlande n'avait pas passé la phase de groupe. Elle, était, elle avait perdu le dernier match face à l'Australie. Euh, donc voilà, ils ont nous dit Road to Suzuki Cup. Euh, oui, bah après, on verra l'après. L'après sera important, mais déjà, il y a le « pendant euh, ». Le fait est que la Thaïlande est proche de retrouver les huitièmes de finale, ce qui serait la deuxième fois de son histoire, ce qui serait aussi quand même, je <laughs> vous l'a dit, vu le contexte, plutôt euh, bah, synonyme d'une compétition réussie. Euh, N'ayons pas peur de le dire, hein. Voilà, oui, surtout, euh, surtout par rapport à ce que l'on en a annoncé. On verra le dernier match, euh, comment ça va se jouer. On va juste se projeter rapidement sur les matchs de demain. Alors c'est pareil, voilà, on a, fini la, on a fini la deuxième journée, donc voilà, on va entrer dans les, euh, dans les matchs euh, dans les matchs qui comptent. Il n'y a qu'un seul match, enfin il y a qu'un seul créneau horaire plutôt demain, puisque ça sera 16h. Je sais pas comment vous vendre les matchs, vraiment. <laughs> je dis rien, tu vois, ah, j'ai rien dit. Hein, oui, ouais, ouais, les... je sais, mais... Parce que moi, le groupe A, pour moi, c'est le groupe de l'enfer. Hein, mais on l'a dit. Ouais, bah en plus, on le dit à chaque fois, et c'est terrible. Mais voilà, oui, c'est le pire groupe de cette compétition. On le sait, ah, c'est oui. le pire groupe ah, de oui. cette compétition. Ah, c'est le groupe des ténèbres, hein, c est, c est... Euh, Voilà, c'est le groupe de l'enfer. Donc demain à 16h, vous avez Tadjikistan, Liban et Qatar, chine euh, <laughs> Choisissez, quoi. <laughs> j'ai envie <laughs> de vous dire choisissez votre match je, je, je sais pas trop quoi vous dire mes amis euh, la seule chose c'est que le Qatar vous, est ne vous premi... faites pas multiplex ouais ça, vous ça, faites ça pas un multiplex c'est pas la peine alors je vais vous expliquer pourquoi parce que le Qatar est premier est déjà qualifié et sûr d'être premier donc euh, pff, voilà euh, ça va faire la Chine pour l'instant est deuxième elle a deux points et Tadjikistan et Liban jouent une finale hein, puisque le vainqueur de ce match si jamais il y en a un c'est à dire ça veut dire si les Tadjiks arrivent enfin dans leur vie à trouver le chemin des buts euh, parce qu'ils ont un jeu intéressant alors je ne vais pas sur le match, mais le Tadjikistan liban peut être en soi le plus, enfin sera le plus intéressant des deux, sans aucun doute. Euh, mais il y a un monde où effectivement, comme le dit Al-Rami, euh, le deuxième de ce groupe peut être deuxième avec deux points euh, ouais. si le Qatar bat la Chine et qu'il y a match nul entre le Tadjikistan et le Liban. Et tout cela, c'est quand même largement du domaine du possible. Eh bien eh bien, on aura, euh, on aura un deuxième avec deux points et on faudra départager tout le monde du haut de ces deux points. Et alors là, il faudra sortir les calculatrices et les... Euh, je pense qu'il faudra compter ouais. les cartons même. Euh, ah ouais. Parce que je suis en train de regarder... Euh, non, parce qu'il y a des différences de but quand même assez, assez sévères. Donc non, non, il peut, y en a un qui... Voilà, on verra. Ça dépendra des scores, mais euh, non, non. J'étais en train de me dire ça peut compter aux... Voilà. Mais ça peut être un deuxième de groupe, Nostromo, qui n'a pas gagné le moindre match. C'est possible. Match nul entre... Match nul entre le Tadjikistan et le Qatar. Euh, et le Qatar. Et... Euh, L et euh, le, Liban. et, euh, et voilà. le Liban, pardon. Euh, match nul entre le Tadjikistan et le Liban, victoire 2-0 du Qatar et euh, le Tadjikistan est deuxième. Voilà. <rire> 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 voilà. <rire> Espérons. <rire> Espérons qu'on ait quand même du suspense pour Tadjikistan-Liban. J'espère que ça va se décanter. J'espère que le match va se débrider. Et il n'y aura pas de calcul. C'est bah peut-être le match où on peut espérer voir des choses. Parce que oui, euh, le Tadjikistan, oui, oui. dans le jeu, quand même, aussi limité soit-il, parce que je vanais en disant qu'il va falloir qu'il trouve le chemin des buts. Mais en tout cas, sur l'approche jusqu'au 25 derniers mètres, c'est assez intéressant à voir jouer. Et le Liban, ouais. euh, le Liban, potentiellement, peut être est assez intéressant sur certains après... points. Enfin bon, on va pas survendre le match. C'est quand même deux ah équipes non, après, très limitées. Hein. Attention au Tadjikistan qui ne joue pas avec son meilleur joueur, Kamoulov, qui est suspendu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, qui a pris son rouge. Euh, voilà. Bon, ce sont les matchs de demain. Euh, voilà, je ne vous vends pas du rêve. Euh, mais c'est une troisième journée, donc il va y avoir cette tension supplémentaire, surtout sur le match Tadjikistan-Liban. Rendez-vous à 16h. On débriefera ça demain soir, tranquillement. Et en plus, Nico, euh, euh, oui. Nico euh, ce qui va être bien pour demain, c'est que tous les matchs vont se enchaîner. Donc ça va, en, voilà, par exemple, on se la coupe d'Asie à 16h, 18h, la Coupe d'Afrique et oui. 21h encore la, la, la Coupe d'Afrique. Oui, donc pas, de pas de parfait. chevauchement, donc vous n'avez absolument... Alors ça veut dire aussi que vous tous, vous n'avez aucune excuse si vous ne regardez pas ces super matchs. Voilà. <rire> <rire> bah, pour le groupe A, si vous avez une excuse, on ne vous en voudra pas. Hein. Ouais. <laughs> voilà. Bref. <laughs> et ben voilà, on va on va en rester là pour ce Pardon. débrief de la journée asiatique. Euh, voilà parce que bah, c'est aussi ça, on est sur la fin. J'ai une excuse, j'ai pas been sport. Ah ben à toi, Tadjikistan Liban, Zigzon. Euh, c'est pour toi. Une chance que Boris insulte des mamans demain. Alors normalement, alors je euh, je sais pas. Alors très franchement. Euh, on n'en a pas parlé encore avec Boris euh, de la possibilité ou pas de faire un live Tadjikistan-Liban. Si jamais, on le, on, on le décidera au dernier moment. De toute façon, avec Boris, on, on peut décider de certaines choses au dernier, au, au dernier moment. Euh, à 16h, euh, ouais, peut-être. On verra. Mais je, voilà, je ne vais pas vous vendre du rêve hein, quand même parce que ça risque d'être compliqué. Et puis, on a déjà beaucoup parlé de football libanais l'autre jour, donc euh, on va plus nous rester grand-chose à dire. <laughs> donc voilà. Euh... Donc, euh, donc euh, voilà, ah, si vous faites ça, vous êtes sûr de me voir. Ouais, bah écoute, on verra, on verra. Je ne suis, suis pas convaincu. Merci. Enfin bref. On va remercier Joe qui est passé pour parler de sa chère Thaïlande et qui va pouvoir se préparer tranquillement à un dernier match et à des huitièmes de finale. On espère pas déclencher l'effet Hello de l'espace, mais ça devrait aller quand même. Merci beaucoup Nico, merci beaucoup Raled, et puis merci à tout le monde. Merci beaucoup Joe on se voit pour on se parle pour le match contre l'Arabie Saoudite. On débriefera le Arabie Saoudite, Thaïlande parce que oui, on le regardera, messieurs dames. Quand même. Et vous le regardez maintenant qu'on vous l'a vendu, franchement. Bref. Franchement. Allez, merci pour tout Joe et à la prochaine. Salut. On va migrer du côté euh, du côté de l'Afrique. Il, des... il y a des choses à dire aussi hein, sur, euh, sur, la journée, euh, sur la journée africaine. Euh, on, va, on va aller direct sur le gros match du jour. Hein. Raled, on va pas perdre oui. de temps là-dessus. Euh, oui. On va aller direct sur le, le match du Maroc. Euh, voilà, avec ce score de un but partout. Il y a pas mal de choses à dire. Euh, oui. Alors il y a des choses à dire sur l'après-match. Euh, mm -hmm. On peut peut-être même direct commencer par ça, comme ça on va l'évacuer et, euh, et on sera ouais. tranquille pour, pour enchaîner derrière. On va saluer Bein Sport qui a rendu l'antenne au moment euh, juste au moment où les faits étaient en train de commencer à se passer, hein, parce que bon voilà le commentateur était ouais. déjà quand même pas mal en souffrance hein, sur les commentaires du match, donc euh, oui. faut faut aussi le dire quand c'est raté. Euh, voilà j'ai oui. eu envie d'insulter des mamans sur le Unani absolument tout le match. Je sais pas toi mais oui, oui, bah oui, sur, oui, bien sûr. Et pas que ça, malheureusement, il y a des, y a des prononciations qui sont assez marrantes. Dans... Après, on ne peut pas trop l'en ils n'ont pas l'habitude de... forcément bon, de. Voilà. Après, je ne vais pas trop fracasser sur la prononciation parce que quand tu m'entends commenter les Coréens, euh, voilà. <laughs> mais, euh, mais Unani, voilà, Lukman le dit, euh, Unani, moi, j'en pouvais plus. Euh, moi non mmh. plus, j'en pouvais plus. Euh, j'ai adoré le Hamgarabat aussi. Euh, ah. Au milieu de terrain, j'ai cherché qui c'était, mais je n'ai pas trouvé. On on l'a pas trouvé. Euh, mais bon, <laughs> bref. Non, mais après, après, on peut saluer le fait qu'ils aient rendu l'antenne euh, bah justement ouais. au moment où ça commençait à chauffer entre Walid Greg et, euh, et et Chancel Memba. Euh, on va pas entrer dans le jeu du euh, qui a commencé, qui a machin, non. qui a Bidule, non, parce non. que de, de toute façon, on n'en sait rien. Oui, il parlait d'Amrabat, disons. Euh, donc on n'en sait rien, c'est pas trop le sujet du truc. Par contre, ce qui s'est passé après, c'est absolument scandaleux ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux contre Chancel Mbemba. J'ai vu depuis, parce que je suis pas trop sur Instagram, hein, pour tout vous dire, donc je n'avais pas vu ce qui se passait sur Instagram aussi du côté, de, du côté des Marocains, où il y a eu bah, la même chose. Euh, pour, euh, pour avec. Euh, pour Akimi, je crois, c'est Akimi. Je crois que Hakimi, y a, alors, il y, y a eu Akimi, il y a eu Régragi et il y a eu Saïs. Romain, Romain, Saïs, ouais. Donc, euh, donc voilà, donc euh, des insultes racistes dans tous les sens. On est sur un week-end où euh, les Érible. racistes s'en sont donnés à ah, oui. cœur joie. Bravo, bravo à vous, hein, bande de cons, magnifique. Hum. Euh, bref. Ah, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, Nico, je voulais en parler de ça que je tenais à donner. Enfin, je pense que moi et, tout, et toute la rédaction de Lucarno Posé, on, on donne tout notre tout notre soutien à ce qu'a vécu Mike Maignan. Bien sûr, euh, évidemment, à, à Udinese. Donc malheureusement, c'est et une fois de plus, c'est même un, limite flou, scandaleux ouais. que le match a, a, a dû reprendre dix minutes après. Ouais, ouais, ça, ouais. ça, moi, ça me fume. Hein. C'est vraiment des choses qui. Non, mais au moins, alors, 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 au moins, le match a été arrêté. Arrêté, arrêté pendant dix minutes. Il faut l'arrêter. Je suis avant... désolé. Il y a un moment, mais tu sais, oui, à, chaque oui, fois mais a, à chaque fois qu'il y, mm. mm -hmm. euh, qu y a ce type d'événement, à chaque fois qu'il y a ce type d'événement. Euh, ça me fait toujours penser, je ne sais plus à quel moment il avait déclaré ça, c'était dans, dans un documentaire. Lukaku avait dit Tant que les gens qui dirigent n'ont pas vécu le racisme, il ne, il ne se passera rien. Exactement. Et il a complètement voilà. raison, je suis 100% d'accord avec lui. Et mais forcément aussi l'avait dit aussi, euh, quand il était en Espagne aussi, Samuel et Voilà, mais ça c'est une, une vérité absolue, c'est une évidence. Et euh, bon, on ne va pas revenir sur le fait que les institutions sont dirigées par des gens comme moi, donc qui n'ont jamais connu le racisme et qui ne le connaîtront jamais. Euh, on va pas se mentir, hein, nous on est peinard, mmh. enfin je suis peinard. Ouais. Je pense mm -hmm. que toi, tu as dû être plus confronté que moi, quand même. Non, 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 ça va. Non, franchement, ça va, ça va pour moi. Ouais, pour moi, ça va. J'ai bon. une tête qui passe partout, donc euh, j'ai un peu de chance par rapport à ça. Voilà, bah, voilà. Moi, je sais que je suis pas concerné, donc je donnerai pas. Enfin, tu vois, je peux pas, euh, voilà, dire ah ouais. Enfin, euh, bon, bref. Oui, mais c'est pas une question de que tu l'as vécu. Mais coups, pas, je Nico, pense très sérieusement. On a de l'empathie. Ouais, ah, mais l'empathie, elle est liée à fond. Mais tu vois, et pour voilà. aller plus loin, je suis désolé. Mais ce qui se passe, par exemple, à Houdine on fait un peu de hors sujet, mais voilà, c'est oui. aussi lié parce que derrière, ça entraîne aussi des réactions comme ça via les réseaux sociaux. J'espère que les connards qui laissent des messages Partout, que ça soit sur Twitter ou que ça soit sur Instagram, Exactement. seront retrouvés et punis. J'y crois pas une seconde parce que ça n'arrivera pas. Mais malheureusement, voilà. Et un truc, un événement comme Aoudin, Mike Maignan, bravo qu'il sorte ouais, vraiment. Bravo, il ouais. Je soutiens absolument à lui. Vrai. Mais ouais. le match juste doit pas reprendre. Défaite d'Aoudin et on en parle plus. Et voilà. Après, et et c'est fini. Après Nico, alors, alors après Nico, alors après Nico peut-être. Alors je j ai, j ai pas vu ce qui s'est passé réellement dans le match d'Aoudin. Si quelqu'un dans le chat peut nous donner plus de précision. Peut-être que pendant les dix minutes où le match a été arrêté, peut-être que le supporter a été identifié et sorti du stade. Peut-être. Alors, moi, je sais que c'est déjà arrivé dans un match de foot où le supporter a été identifié et sorti du stade et le match a pu reprendre. Euh, là, pour Udine je ne sais pas. Mais je sais que là, il y a une avancée. Il y a une avancée. Ça veut dire que les joueurs ont suivi Mike Maignan jusqu'au vestiaire. Et je crois que même oui. les deux équipes. Donc là, il y, a, il y a quand même une avancée. Je suis d'accord avec toi parce qu'il y a quelques temps, époque, tout le monde serait voilà. venu raisonner Mike Maignan en lui disant :« Mais non, c'est pas grave. » Je suis d'accord. Voilà, exactement. Donc il y a quand même une petite avancée qui est significative. Et bientôt, comme tu as dit, et je l'espère Nico, et je te suis à 100%, bientôt, on, on, on aura un match complètement arrêté. Voilà. voilà. Et exactement. On, voilà. Et donc bref, mmh. voilà. Mais évidemment, bien sûr, soutien à Ménian, mmh. soutien à Mbemba, soutien, les deux. soutien à, à Regragi, soutien enfin, au, au, à tous les joueurs. Tu l'as dit, il y a Akimi, moi j'ai vu Saïs aussi, euh, Saïs aussi ouais. qui mange. Mmh. Euh, voilà euh, en même temps euh, voilà les abrutis euh, les abrutis ont pris le pouvoir des réseaux sociaux euh, ils sont en toute impunité en tout cas ils ont ce sentiment d'impunité euh, mmh. c'est juste scandaleux donc voilà c'est important quand même de voilà parce que ça fait partie non. de ce qui s'est passé à l'après match Mmh. Je veux dire, Et en plus, le match, ce... euh, Nico, euh, franchement, alors laisse-moi te couper, mais je pense que, enfin, moi j'ai vu le match, comme toi, je pense. Ouais. Il n'y a pas eu d'animosité de, 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 dans le match, quoi. Il n'y a pas eu de coup Enfin, il n'y a pas eu de coup. Euh, rien... C'était pas un match euh, particulièrement violent. âpre. Voilà, c'était pas un match âpre, quoi. Non. C'était un je bon pas, match. Euh... On va tempérer sur certains points, mais justement on va aborder le foot et justement on va pas chercher à faire les procureurs ou les, ou les enquêteurs bien en sûr. disant ah ouais c'est lui qui a commencé parce que machin on en sait rien, on est on devant en notre télé, on n'en sait rien. Ah il ouais. y aura une enquête bien et puis bien voilà, laissons faire la, tu vois comme dit, euh, comme dit euh, dans la cité de la peur hein, let the police do the job quoi. Donc Exactement. voilà, c'était un match haché, oui, mais c'était pas un match violent, euh, Loukman. et il y avait pas forcément. Alors c'était il y avait une tension forcément, il y avait une tension. Euh, bah, les 18 minutes de temps additionnel, c'est euh, bon la blessure euh, le var euh, bon mais oui c'était un match c'était pas un match le match était un peu haché mais pas non plus euh, voilà d'ailleurs c'était un, un match un peu bizarre Alors, si on peut commencer le débrief Nico. Yes. Euh, le Maroc démarre très 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 fort très très fort et euh, quand, quand les Congolais ont, ont, ont réussi à résister à cette vague violente des Marocains et alors, bizarrement, depuis euh, l'ouverture du score de Hakimi sur corner, euh, on a senti les Congolais complètement libérés, avoir le ballon, euh, essayer de trouver des solutions, ont eu les meilleures occasions, et c'est pour ça que j'avais tweeté à la mi-temps que euh, la première mi-temps des Marocains était limite décevante, parce que depuis le but, il euh, n'y bah, a rien eu, quoi. C'était euh, fermeture des, des rideaux, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu le match, Nico, mais... Et ensuite, l'égalisation, la belle égalisation de notre ami euh, Silas. ouais euh, Belle égalisation, beau but, un peu qui ressemble un peu au but du, de la Tunisie hier. Ouais. Euh, et Mastemir était mérité, complètement égale. Et, et, et le Congo a eu énormément de regrets parce qu'il rate un peu. Enfin, notre ami... Ouais, par exemple, il rate son, pino, ouais. rate son voilà Alors, je, je suis d'accord avec, avec ton analyse. Euh, le sentiment que j'ai sur ce match, euh, c'est merci les matchs à 14h. Oui, J'ai euh, oui, la sensation, j'ai la sensation. Ah, bah, ça euh, ça euh, ça alors je sais est... pas, je sais pas. Tu vois, comme dit oui. Faouzinho, ils ont arrêté de jouer à la cinquième minute. J'ai pas la sensation qu'ils aient arrêté de jouer à la cinquième minute. Par contre, j'ai eu la sensation que plus le temps avançait, plus c'était compliqué pour le Maroc. Ah mais Saïd, c'était en souffrance. Et et, en souffrance. Et, euh, et je. Je pense, et, et je vais dire, et les Congolais en ont souffert aussi. Euh, je suis très curieux, alors je ne sais pas, j'ai pas été voir des infos et tout. Euh, je suis très curieux. Euh, Charles Pickle euh, est sorti. Euh, je sais pas si tu as vu euh, à ce moment-là comment il est sorti. Mmh. Euh, parce qu'en fait, on l'a retrouvé tous, il, il était au sol. Mmh. Euh, on n'a pas eu de ralenti, on ne sait pas s'il a pris un coup ou pas. Moi, la sensation que j'ai, ah, c'est qu'il bon. a fait une insolation. C'est qu'il a pris un coup de chaud parce qu'il est sorti, il est allé directement au vestiaire, il était pas bien, il était sonné le mec et mmh. il est revenu ensuite, on a eu un plan de lui où il est revenu sur le banc, il avait une serviette autour de la tête, il avait des serviettes partout. Je suis à peu près persuadé que il a fait un coup de chaud. Mais j'ai pas de ah, mais... preuve, d'évidence. Euh, parce que Pickle était l'un des meilleurs hommes du match, hein. il était incroyable hein, au milieu de oui, terrain. Oui, tu as eu Pickle et tu as eu aussi, comment il s'appelle euh, Il y avait un autre joueur congolais, le numéro 3, je crois, qui s'est fait ouvrir, ouvrir l'arcade. Oui, euh, Ilonga. Voilà, c'est ça, Ilonga, le numéro 2, pardon, c'était le numéro 2. Qui s'est fourré à l'arcade, qui a, qui, qui a un putain de bon match. Euh, ouais, un peu plus de soucis euh, dans les relances quand même. Hein. Il a quelques passes ouais. ratées, euh. mais dans l'impact, mmh. il était là. Mais euh, voilà. Mais en même temps, jouer mmh. sous 33 degrés, ça peut être dangereux. Je pense très franchement que c'était dangereux. Et je pense que, je pense que le danger, pour revenir sur le votre côté, euh, ils se sont arrêtés à la cinquième minute. Je pense que les Marocains marquant vite, ils se sont oui. dit, on va gérer notre physique. Exactement. Et d'ailleurs, euh, alors, d'ailleurs, Lionel aime le gardien congolais a fait un excellent match. Oui. Il arrête une tête à bout portant de Nesri dès la première minute. Waouh! C'est arrêt réflexe de très 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 haut niveau. Euh, et c'est un peu lui qui, qui tient la baraque et qui, qui à la fin va, va garder ce match nul important pour, pour le Congo. Euh, ensuite, Chantel et Mamba fait plutôt son bon match. Je trouve qu'il a, qu a, qu a été là. Kakuta un petit peu en dessous. Un petit prendre. peu en dessous, ouais. Ouais. Mais bien contrôlé, quand même, par. Enfin, euh, je veux dire, c'est pareil, hein, quand à as ah, qui couvre tout, ouais. euh, ouais, 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 oh, l'activité du bonhomme. Pouf. Ouais, ouais, ouais c'est un monstre. <laughs> ah, tu ouais, peux voyager serein, hein, quand tu as, quand as devant euh, Saïs à C'est ça, non, mais tranquille. Mais hein. ça. Et, euh, et comme on l'a dit, notre, euh, notre, notre cher Silas a fait une très bonne entrée et, et conclut une magnifique action oui. qui, qui égalise. Et d'ailleurs, mes voisins ont, ont crié euh, bien avant le but. Bon. Voilà, comme, comme vous savez, je regarde les matchs un petit peu en retard, donc forcément j'ai été spoilé du but. <laughs> donc ça c'était marrant, c'est une petite anecdote euh, personnelle. Mais euh, non, mais après, euh, moi je trouve que le match nul était euh, justifié. C'est juste, c'est un score qui est juste parce que chacun a eu ses mi-temps. Et je dirais même que le Congo a eu une mi-temps et demi. Alors vraiment a eu une mi-temps et demi ouais. parce qu'ils ont contrôlé le match. Et, euh, une petite déception côté marocaine au, au, pour uh, Sofiane Bouffal. Je trouve qu'il. Voilà. Euh... Je suis assez d'accord avec toi sur, voilà. euh, sur, sur Bouffal bouffal un petit, un petit peu en dedans mais bon ouais. est-ce qu'on peut lui en vouloir Oui et non. Bon voilà, euh, Ziyech aussi, Ziyech ouais. alternait le bon et le moins bon euh, au début. Alors au début, la connexion bouffal Ziyech en, dans les transversales était excellente et ça s'est plus reproduit pendant le match, je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas te dire Nico, mais en tout cas mais en fait, il, euh, il, a, il a un peu il... Alors, autant, autant, euh, autant Boufal, euh, on ne l'a pas beaucoup vu tout court, autant Ziyesh, on l'a vu au début et il a plus. disparu en fait. Mais il a disparu un petit ouais. peu euh, presque avec tout le monde. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Ensuite, euh, notre ami Enesri qui a plutôt voilà, fait son match, mais il n'a pas réussi à ouvrir le, ouvrir le score. Voilà. Qui aurait pu ouvrir le score dès la première minute. Selim Amala, un petit peu en dedans. Voilà, hum. Qui laisse sa place à notre ami. Alors, il laisse sa place à. Euh, tete, tete, El Khanous. El Hanous. voilà, le petit jeune, le petit crack. Bilal El Voilà, sinon, on va dire plutôt une bonne entrée aussi de Ayoub El, El Kabi à la place d'Anestri qui a failli marquer le deuxième. Oui. Le deuxième but marocain qui aurait pu délivrer le Maroc. Et d'ailleurs, voilà, il, il vont voilà, être un pas... petit peu. Euh, C'est vraiment deux profils différents parce qu'autant, tu oui. vois. Euh... Je suis souvent assez critique hein, envers El Nesiri, je ne vais pas m'en cacher. Euh, mmh. C'est un mec redoutable quand il est servi dans la surface. Ah, mais oui. par contre, je trouve qu'il apporte absolument rien dans le jeu. Un euh... ah, finisseur, quoi. Sans voilà. Finisse. Et, euh... et je pense qu'un profil comme El Khabi, ça peut être intéressant par rapport à ça. El euh... ah, Khabi, voilà. pour la construction du jeu, oui. Dans le, dans les, dans le jeu de au but, il peut être intéressant et faire des déviations qui peuvent être dangereuses pour les ailiers. Après, comme on dit, et Nessri, c l'a dit, du CFN c'est un tour de contrôle, c'est un peu leur. <laughs> Le problème, voilà. c'est que ça, tu ne peux pas te passer d'Enne Siri parce que tu sais que, bah déjà, les dans, les, dans les airs, ouais. il est incroyable. Ah ouais. voilà, franchement, pff, Sans je pense il n'y a euh... aucune concurrence sur Enne -Siri dans les airs. <laughs> après, il ouais. a progressé, il hein, y a aucun souci oui. là-dessus. Oui, oui, parce oui, qu'il ouais. y a eu une époque où, euh, bon, tu lui mettais un ballon dans les pieds, c'était compliqué. Hein. C'est vrai. Euh, vrai. Il a progressé sur ce point, mais je ne sais, je, je, je sais jamais sur quel pied danser avec, euh, avec euh, Enne -Siri. je Franchement. Mmh. Euh... Non, mais après, il est, con il est incontestable dans le 11 Mais de... Dans le haut de Rekragi. J'ai bien, ai bien aimé aussi le match courageux de Mohamed Chibi à gauche. Il a été euh, courageux et il n'a pas sur les sur les efforts. Et il ne s'est pas fait déborder par euh, Bonganda. Euh, il a été plutôt solide, moi, je trouve. Après, Romain Saïd, je l'ai trouvé très, très, très euh, inquiétant. Et j'aurais déjà fait un changement pour rentrer, euh, par exemple, à, à Yunus Abdelhamid. Après, c'est compliqué du... hein, parce que tu as quand même un duo qui est très complémentaire entre Saïs oui, et Aguerd. Alors, après, c'est vrai qu'à côté, à Aguerd, c'est Beckenbauer ou Maldini. Hein, un... Le match d'Aguerd, le, le tacle qu'il va faire en deuxième mi-temps, quand ah je ne sais plus qui part tout seul, le tacle qu'il sort en gardant le ballon dans les pieds derrière, ouais. il revient à Rennes oui. quand il veut, un hein, Aguerd. Hein. <laughs> <laughs> je le dis parce qu'il y a eu des rumeurs, mais il revient quand il veut. Hein. Donc, ouais. euh... Mais par contre, il a pris des risques sur un tacle où il a failli avoir un penalty. Et à un moment, il fait un tacle un petit peu euh, limite, mais heureusement qu'il touche le ballon et, et le ballon va encore corner en derrière. Et... Ah, C'était a... juste. Franchement, juste. franchement juste. Euh, voilà, extraordinaire. Je trouve que le hein, match de euh... a une dimension. Euh... Non, 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 il est rassurant. Il est très rassurant, mais voilà, c'est celui qui m'inquiétait le plus dans la défense marocaine, c'est plus mon Romain Saïs. Voilà. Après, comme on l'a dit, pour des raisons climatiques. Voilà, maintenant le Maroc a sauvé ce qu'ils avaient à sauver, un point, euh, ils auraient pu en avoir trois, deux de plus aujourd'hui, mais bon, ça, comme, comme on le verra tout à l'heure Nico, ça, il y a eu statu quo dans ce, dans, dans ce groupe. Ouais, alors, bah, bah écoute, tu sais quoi, on peut l'évoquer, on peut l'évoquer hein parce que, euh, que l'autre match du groupe a opposé la, la Zambie à la Tanzanie, alors je t'avoue que je n'ai pas vu le match. Entre la Zambie et la Tanzanie. un petit peu. J'ai vu des un... bouts par, tu vois comme ça, je jetais un oeil, mais j'étais pas focus sur le match. Euh, mm -hmm. Voilà, je ne vais pas voilà. vous en dire grand-chose. Il y a eu match nul et effectivement, ça fait statu quo, ce qui fait que le Maroc, franchement, voilà, ça devrait mm -hmm. aller. Le dernier match, c'est contre la Zambie. Ils sont premiers du groupe avec 4 points. Déjà avec quatre points, quoi qu'il arrive, tu devrais passer. Euh... Une petite, euh, alors, je peux dire deux petites choses sur le match Tanzanie-Zambie. Alors, ceux qui ceux qui marquent côté euh, tanzan Tanzanien, Simon Msouva, euh, qui jouait en Algérie et est libre de tout contrat, il a marqué un top but, un peu style, style Alan Shearer. Je vous invite à le regarder. Il est magnifique le but, pleine nuit, grosse patate. Et notre ami Patson Daka qui égalise à la dernière. Alors, j'ai vu le but de Patson Daka. Très belle tête. Ouais. Très belle tête, exactement. Et qui sauve qui sauve la, la Zambie de l'élimination, quasi l'élimination, et euh, qui garde la Zambie, on va dire en vie. Mais bon, après, je crois que la Zambie joue la joue le Maroc, je crois, c'est ça. Oui, oui, la Zambie joue le Maroc au dernier match, donc euh, bon, euh, ça va être chaud, ça va être très chaud, <laughs> ça va être, ça va être un peu plus compliqué. Euh, ouais. Donc euh, donc voilà, ça risque d'être un peu plus compliqué. Euh, oui, on a parlé de l'Asie euh, Carnage. On a commencé par l'Asie euh, exceptionnellement ce soir. Euh, et donc, euh, voilà, il n'y a pas de danger. Hein, pour, euh, franchement, on ne va pas se mentir. Il n'y a, de... a pas de danger pour le Maroc. Est-ce que j'ai le classement Oui, voilà, vous le voyez, le classement. Ils sont premiers, 4 points. Euh, on n'est pas, pas dans les prestations non plus, euh, entre guillemets, inquiétantes que l'on a vues pour l'Algérie et la Tunisie ces derniers jours. Et en fait, si on doit faire une. Euh, comment dire J'étais mitigé quand même, Nico, pour le match d'aujourd'hui. J'étais un peu mitigé pour le Maroc. Oui, mais il n'y a pas. De... Y a... Moi, très franchement, très franchement, je pense que euh, le match à 14h. Ça conditionne. Ça a quand même conditionné beaucoup la rencontre. Je pense que les Marocains ont essayé de gérer leur physique et en fait, non. En, mm. en baissant de rythme, même en baissant de rythme, je pense qu'ils étaient, euh, ils étaient dépassés physiquement. Enfin, euh, je sais pas, hein, on verra. Je sais pas si Regragui en a parlé après, la, après le match. En même temps, vu les événements d'après match, je suis pas convaincu que la conférence de presse, ait parlait beaucoup de football. Euh, mais bon. Mm. Mm. Mais apparemment, voilà. alors moi j'ai entendu la petite, la petite conférence de notre ami Chancel Mbamba. Et apparemment, il limite, il accuserait Regragui d'avoir dit un mot, mais il veut pas le dire. Bon, après, après, comme... après j'ai vu voilà. passer comme quoi il y allait avoir une enquête de la CAF et tout, donc on se débrouille. Voilà, Exactement. Ils vont se débrouiller, pas... c'est voilà. pas de notre ressort. Et comme on le disait tout à l'heure pour ouvrir sur ce match, voilà, hum. ce qui se passe derrière, que ça soit du côté de certains abrutis euh, venus du Maroc et certains abrutis venus du Congo, euh, est absolument inadmissible. Euh, donc ouais. euh, voilà. La Tanzanie, comment tu peux faire une deuxième mi-temps pareil en, en menant 1-0 en se contredisant J'ai cru voir dans mon coin de l'œil que la Tanzanie était en grande souffrance sur la fin de match. Hum. Mais ah ouais. bon, oui. Mais après, en même temps, temps, on va pas euh... se mentir. Hein. On l'avait dit au premier match, la Tanzanie, euh... la Tanzanie au premier match contre le Maroc, s'était comportée comme un vrai petit, qui petit. assume le fait d'être petit. Euh, C'est compliqué derrière de faire croire que tu vas faire le grand face à la Zambie. Hein. Donc, euh... vrai, vrai. donc, euh, donc Mais... voilà. Mais donc, ouais. donc dans ce groupe, hein, on l'a dit, euh, le Maroc n'est pas en danger, très clairement. Euh, mm. ou alors, alors là, si je déclenche un effet halo, ma... un Maroc la éliminé chaîne. avec 4 points. Hein non, je pense, non, en plus 4 points plus 3. Donc, euh... 4 points plus 3, et ça voudrait dire que qu'ils perdent contre la Zambie au dernier match. Et ça voudrait dire aussi que, bon, après, la le, 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 le RDC a aussi largement les moyens de battre la Tanzanie. Je pense qu'au final, le nul arrange un peu tout le monde aussi. Hein. Oui, oui, oui. Après, voilà, Même s'il y avait de la tension, oh. hein, là pour le coup, on n'est pas dans le le, 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 le Oman-Thaïlande Oman ou le potentiel Thaïlande-Arabie Saoudite où tu peux mmh. te dire, bon, pacte de non-agression. Là, il y avait véritablement, peut-être plus du côté congolais, la volonté d'aller gagner ce match-là. Euh, parce parce qu'ils étaient quand, quand même mieux sur le terrain, hein, les Congolais, hein, dans, dans euh, ce match. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai bien aimé ce que a proposé le Congo. Même, même, en, même en étant mené 1-0 et avant ouais. l'égalisation, j'ai ai aimé leur comportement et leur volonté d'essayer de, de, de progresser vers le but de Bono. Euh, après, il ne faut pas oublier, Nico, on l'avait dit hier lors du live, qu'il y a un passif entre les deux pays, enfin, les deux équipes. Pardon, C'est que c'était le dernier barrage de la Coupe du Monde 2022 et que le Maroc avait brillamment validé son ticket pour le Qatar. Et ce qui peut expliquer aussi les tensions de fin de match euh, bref mais bon voilà euh, bonsoir à Paul Bismuth qui est dans le chat euh, voilà pour ce groupe hein, euh, concrètement euh, vous le voyez tout se jouera lors de la dernière journée parce qu'au final bah, personne n'est éliminé hein, mine de rien euh, malgré vrai. tout euh, mmh. dans cette histoire même la Tanzanie peut encore se qualifier hein, si elle réussit l'exploit de battre le Congo tout est possible ça reste du football euh, et puis euh, on ne sait jamais hein. et puis il y avait donc un dernier match aujourd'hui alors je ne sais pas si tu l'as vu si tu l'as oui, regardé oui vu j'ai tout vu euh, il a tout vu, il est parfait c'est Ah, bah forcément, parce que je suis tunisien. Et ça fait partie de c est, c est notre groupe. Donc forcément, il faut voir un peu nos adversaires, les, les, les étudier. Et je peux te dire que. Je pense que t'es est es qui, là. Ah, <laughs> oui, là oui. <laughs> et je pense que Farouk aussi. <laughs> Alors, bon. Mine de rien, il y a le score, vous le voyez, 4-0. Si vous n'avez pas vu le match, vous vous dites Afrique du Sud, Namibie, 4-0. Bon, en même temps, d'un côté, c'est logique, Namibie, voilà, la Namibie qui avait battu la Tunisie, quand même. Bon, à zéro. Dans les conditions que l'on sait, mais elle avait battu la Tunisie. Euh, mine de rien. Mais il euh, y a à pondérer, entre guillemets, un petit peu, même si c'est, comme le dit, dit Al-Rami, on, on est quand même sur une. Leçon d'efficacité de l'Afrique du Sud, parce que très honnêtement, alors pareil, hein, le match est très différent entre la première et la deuxième mi-temps, parce que bon, il est plié à la pause ce match. Oui. Euh, donc c'est jamais, c'est toujours pareil, quand tu as plié un match à la mi-temps, la deuxième mi-temps, c'est jamais des envolées exceptionnelles. Mais la Namibie a fait un bon match. La Namibie, un peu plus intelligente, enfin, plus juste dans ses, dans, ses, dans ses choix ou dans ses gestes, peut réduire l'écart sans problème. Hein. Oui, et surtout, c'est que la Namibie a une énorme occasion à 0-0. C'est vrai. Peter Chaloulilé, qui, qui chippe le ballon à un des défenseurs centrales, euh, loupe, loupe le cadre et, et loupe l'ouverture du score qui aurait pu complètement changer le match. Et ensuite, après, l'Afrique du Sud a, a repris sa marche en avant et, et ouvre le score par, par Zoané, je crois. C'est Zouané oui, ça doit être Zouane, tant pas, tant pas qui ouvre le score, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, l'ouverture du score, c'est le péno de Persito. Ah, le péno, pardon, bah, j'avais un doute. doute. C'est le panneau de... Il l'a mis là. tranquille, hein Oui. Euh, bon, ouais, voilà, ça va Persito et un doublé de Zouane euh, à la mi-temps. Et ensuite, on a notre ami euh, Massengo qui, qui plie, le, qui plie euh, le match à la 75e. Oui, il a, comme tu l'as dit, Nico, le match était plié à la mi-temps. Donc, ça, voilà, le match a duré 45 minutes. Ensuite, comme tu as dit, c'est de la gestion. C'est, on essaie de de, de, de de profiter des espaces que va offrir, qui vont, qui vont, que va offrir notre notre équipe euh, namibienne, qui a quand même fait, ben, quoi qu'il arrive, a fait un bon tournoi parce qu'ils ont réussi à battre la Tunisie lors du premier, euh, lors de la première journée, en, en signant leur première victoire historique. Ça faudra pas l'oublier. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'ils qu rentreront en en, en héros. Mais après, c'est vrai que quand, quand tu arrives à battre la Tunisie à zéro, tu en veux plus, tu veux une qualif. La qualif est toujours possible, forcément. Mais tu joues le Mali. Alors, ouais, c'est ça. Comme, et le comme... Mali aura besoin au moins d'un point pour, pour être qualifié et être sûr d'être qualifié. Ouais, c'est ça. Comme le dit Al-Rami, euh, Al il, il va falloir prendre au moins un point contre le Mali. Euh, bon. Ouais. Et là, bon courage, et là, quand même. Tu hein. tu bon courage. Tu... Ouais, et là, après, on est a aussi monde. potentiellement, bon, la Namibie a fait, a, fait, a fait son exploit face à la Tunisie, très clairement. Est euh, on est aussi peut-être, c'est ce que dit souvent Baptiste, par exemple, pour l'Asie, sur les entre guillemets petites nations ou celles qui voilà, arrivent en étant temps petits poussés, euh, souvent donnent beaucoup plus dans le premier match et s'essoufflent en plus après, parce que oui, il faut les enchaîner les matchs. Et ils ne sont pas forcément euh, habitués à enchaîner ces matchs-là. C'est vrai qu'on imagine moyennement la Namibie retournait le Mali quand même on sait jamais Après, tout hein. est possible c'est a... du football ouais. euh... il, y a un côté intéress... il y a un côté quand même rassurant dans le fait que l'Afrique du Sud ait gagné largement bon pour finir sur la Namibie je pense que le 4-0 ça va leur faire très très mal en termes de différence de but c'est une évidence oui. mais à trois points tu peux envisager te qualifier comme meilleur troisième. Bien, bien sûr mais avec un moins 3, euh, sachant que si tu perds contre le Mali, tu vas continuer à creuser ce, ce, cette différence de but. C'est ça. Voilà. Tu ne seras pas dans les meilleurs troisièmes. Ça, ouais. Tu auras du voilà. mal à être dans les meilleurs troisièmes. Donc, euh, mmh. voilà. En tout cas, ce qui a un côté intéressant, c'est que l'Afrique du Sud, qui avait été très intéressante au match d'ouverture. Euh, inefficace, hein, comme euh, je crois que c'est euh, Francky qui disait ça. Ils ont changé leurs chaussures, ils étaient efficaces cette fois-ci. <laughs> euh, là, pour le coup, ils ont été extrêmement efficaces. Ils sont toujours aussi séduisants hein, quand même hein, euh, l'Afrique du Sud. Hein. Bah après, on connaît, on connaît. pour ceux qui suivent le football africain et le football de club, entre guillemets, la Ligue des Champions. Ah ouais, euh, ma mélodie euh, Voilà, le mélodie Sundowns. Il y avait huit joueurs du Mam'Elodie Sundowns côté euh, sud-africain, et plus un joueur en face qui est Peter Shalulile. Ouais. Voilà, qui connaissait très bien les joueurs qui étaient en face, il les connaissait extrêmement bien, donc il sait, euh, il sait comment, il sait, il connaît leur niveau, quoi, tout simplement, et donc il a dû donner peut-être quelques consignes à, leur, à son coach et à ses, euh, ses coéquipiers, mais malheureusement, ça fait 4-0 à, à la fin du match. J'ai bien, moi, du côté euh, sud-africain, j'ai beaucoup aimé Morena, ce sont le côté le numéro 23, Taf, euh, ta, alors je ne sais pas comment on prononce Tapelo ou, ou Facelo, je dirais Tapelo, Tapelo Morena, j'ai bien aimé. Euh, sur son compte lourd droit, avec son activité, j'ai beaucoup apprécié. Mokoena aussi, mm. le numéro 4, j'ai bien aimé. Perseto, on connaît, le joueur mm. de al de, de Ali en, en, en Égypte avec euh, Alima Aloul. D'ailleurs, ils vont se retrouver en, pour le dernier match, les deux joueurs de, qui jouent en Égypte. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Le gardien qui. Alors, le gardien euh, namibien qui a fait le match de sa contre la Tunisie, bah, c'est complètement raté. quoi C'est Casapois oui. a été. Euh, et passer du coq à l'âne, quoi. Euh, il a été héroïque face à la Tunisie, il fait des arrêts déterminants. Et ce soir, il se trouve un petit peu, je crois, sur le quatrième but. Je crois, il est un petit peu, euh, il se trouve un petit peu. Donc, euh, donc voilà. Donc, courage à la Namibie. Ça va pas être facile face à la, face au Mali. Et comme tu l'as dit, Nico, ce 4-0 va faire extrêmement mal en, dans le, dans le gol à verrage. Mais quoi qu'il qu arrive, on va rester sur une bonne note côté namibien. Je pense que si, euh, si élimination il y a et comme on l'a dit, partiront euh, euh, par la grande porte. Voilà. Oui, elle est déjà réussie, cette compétition pour la Namibie. Est-ce que l'exploit namibien pourrait engendrer un engouement pour le foot dans ce pays de rugby Je ne sais pas du tout, Xigson. Il faudrait qu'on en, bah, qu enquête. Je t'avoue. Bon, je ne peux pas de réponse. Il oui. faut, faut qu'on trouve des experts du foot namibien. Euh, on va se projeter sur les matchs de demain pour, pour conclure, hein, parce que derrière, mmh. vous le savez, euh, on va enchaîner sur le pré-Olympico. On fera une petite pause hein, le temps que je réajuste 2 trois trucs et on partira sur euh... le pré-Olympico. Euh... D'ailleurs, Nico, on a, été, on a été gâté hier en, en temps de soir hein. Extraordinaire. <laughs> euh, restez avec nous parce que si c'est comme, euh, si comme hier soir, euh, ça va être extraordinaire. Ok, Vince, euh, c'est noté. Euh, je te ferai venir alors. Euh, ça va être Argentine, Paraguay. Hein, donc, si vous, le, si vous voulez découvrir le macherano bol, c'est dans un instant. On va <laughs> se focaliser quand même un petit peu, conclure un petit peu sur, euh, ouais. sur les matchs de demain. Euh, quatre matchs au programme, deux fois deux, hein, parce qu'on est sur la début de la troisième journée. Euh, ouais. Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, en même temps que Guinée-Bissau, Nigeria. Euh, ça sera donc wow. le groupe A. Euh, ça va être la fête, là, hein, parce que c'est parce que, ah, final à 3, entre ouais. la Guinée équatoriale, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Il y a un monde dans lequel la Côte d'Ivoire est en danger. Oui. Euh, D'ailleurs, elle est en danger, quoi qu'il arrive, parce qu'on oui. a vu à quel point la Guinée équatoriale est pénible. Oui, euh, <laughs> tout à fait. J'ai Mais... juste dit pénible, hein, j'ai rien dit d'autre. Euh, ah non, mais 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 il y a un vrai danger il hein. y a un vrai danger il y a des gros en danger euh, demain ça va être euh, voilà c'est à 18h et pour le coup je pense qu'il va y avoir une grosse grosse tension autour de ce match je pense que c'est le match qu'il faut suivre avec un petit Nigeria ah, qui attend tranquillement caché tapis dans l'ombre oui. euh, pour venir coiffer tout le monde au poteau oui euh, parce que euh, voilà hein, le Nigeria peut remporter le groupe A en cas de victoire et en cas de victoire ou en cas d'absence de victoire dans le match entre euh, Guinée équatoriale et Côte d'Ivoire ou en cas de victoire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ça va être tendu hein bah moi je, Alors moi, Nico peut-être que peut-être je... peut-être peut que je suis fou et peut-être que je vais prendre un énorme risque, mais je pense que la Guinée -Équato... enfin la Guinée équatoriale va faire, une... enfin, va... ne va pas gagner par, enfin vois pas gagner mais je vois une grosse surprise demain. Je vois un match nul. Attention, vous... il sera là demain soir hein, pour, ah, euh, pour, là, euh, pour, pour subir euh, ce que vous allez pour dire. Assumer. Demain, on va bien manger, nous dit Al Rami. Oui, c'est clair. Ah, parce, que, parce que là, ouais, la Guinée-Cotale, comme tu as dit, c'est une équipe qui arrive à bien faire déjouer les groupes. Oui. Euh, la Tunisie, on les connaît très bien. Et demain, ils ont fait déjouer l'Algérie la, il y a quelques années de ça. On va espérer que l'engouement populaire au côté ivoirien va, va porter l'équipe de Jean-Luc Gasset. Pour euh, valider les trois points supplémentaires et faire qualifier cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais attention, peut-être peut demain une grosse sensation. demain. Peut-être. Et il y en aura peut-être même deux, puisqu'à 21h, on a le double match du groupe B avec un, le plus beau maillot de cette compétition Cap-Vert oui. face à l'Égypte. Le Cap-Vert assuré de remporter le groupe. Va-t-il jouer le jeu Va-t-il s'amuser à battre l'Égypte Et s'il bat l'Égypte, on va le dire clairement il sort l'Égypte. Euh, oui. Très probablement. Ah oui. Parce que dans le même temps, il y a un Ghana-Mozambique où le vainqueur se qualifie, euh, tout simplement, puisque le vainqueur de ce match-là aura 4 points. Et si l'Égypte ne s'impose pas face au Cap Vert, et qu'il y a un vainqueur dans l'autre match, l'Égypte sera troisième au mieux. Euh, et troisième au mieux, si elle ne s'impose si pas, ça veut dire qu'elle a soit deux points, soit trois points. Et là, ça peut être très serré. Il y a ce scandale un petit peu euh, Mohamed Salah qui est rentré à Liverpool pour se faire je soigner parler, ouais. Ouais, et qui reviendra pour la finale. Bravo pour le respect des compétitions continentales. Une mmh. fois de plus, hein, l'Europe sait toujours montrer l'exemple. Euh, mmh. bah, Peut-être qu'il n'aura pas besoin de revenir Ouais, peut-être qu'il va rester à l'hiver pour le Et tout le monde va être content. Voilà. Et tout le monde sera content. Mais on peut, ouais. on peut faire la bise une fois de plus à des cl aux clubs européens qui jouent toujours le jeu quand il s'agit. Euh, de permettre aux autres compétitions continentales d'avoir le meilleur niveau possible et d'avoir leurs meilleurs éléments. Euh, ouais. Et il y a des chances. Oui. Et ça, ce sera donc le duo de 21h, Mozambique, Ghana, serai... Cap Vert Égypte. Mmh. Ouais, vas-y, mais, serai... mais je serais curieux de savoir si Cap va jouer le jeu jusqu'au bout. La... Qu qu'est-ce qu que tu remportes, toi, Nico, mais est-ce qu'ils vont mettre leur équipe A Est-ce qu'ils vont, est qu vont faire tourner Est-ce qu'ils vont faire quelques petits changements pour, pour faire souffler les joueurs je, je, pas. je pense qu'ils vont être un petit peu entre deux chaises parce que tu vas être toujours pris entre le côté entretenir une dynamique. Euh, le je problème, c'est qu'ils que... sont assurés d'être premiers. Euh, ah, ils sont assurés d'être premiers Ah oui, ils ont 4 points d'avance sur l'Egypte. Bah, il faut faire tourner. Ah, moi, oui. je fais tourner. Le problème, ah, c'est que je... si tu fais tourner et que tu en prends une, tu as cassé ta dynamique. Oui, mais bon. Et tu arrives en huitième de finale avec une dynamique. Mais bon, et comme le dit Asbéber, battre l'Egypte, c'est une victoire de prestige. Et c'est aussi un moyen d'envoyer un signal assez clair parce que finalement, euh, finalement dans cette ah, compétition, finalement, si battent, des si équipes à 9 points, il mmh, euh, n'y bah en aura au max que deux, le Cap-Vert et le Sénégal. Donc. Ça garantit rien pour la suite, mais ça permet de se positionner en disant :« Regardez quand même. » Et de d'envoyer, euh, de, de, de mettre un petit impact psychologique. On verra. Je sais pas. Je sais pas. Et puis as quand même. On va pas se mentir non plus. Euh, je pense que tu sais quand tu commences à calculer, c'est un peu chelou. Mais je pense que le meilleur des calculs, c'est de se dire euh, :« Autant dégager l'Égypte. » L'Égypte, c'est toujours un Exactement. outsider. Euh, ouais. Donc euh, donc euh, donc euh, donc voilà. Mais euh, mais bon, on verra bien. Euh, ça parle que de Cannes ou d'autres choses. On a fait l'Asie, Josco. On a fini. On arrive au bout de l'émission. On était sur la Cannes. D'habitude, on commence par l'Asie. Et là, dans un instant, on va couper. Et on va revenir d'ici 5 minutes à peu près pour aller sur Argentine-Paraguay, sur le Pré-Olympico. Je vais mmh. juste couper le temps de changer 2-3 euh, trucs. Relancer un, un petit écran d'attente histoire de préparer mes affaires. Et puis, on partira sur le Pré-Olympico. Voilà. Bah D'ailleurs, tu sais quoi Alors. On y est. <laughs> on y voilà. est au bout. On va remercier euh, parce que ça a commencé depuis 17 minutes quand même, hein, le Pré-Olympico. Donc, il va falloir y aller. Merci Rallet, de m'avoir accompagné. Bah, écoute, comme d'habitude, Nico, merci. Merci au chat de leur, de, leur, de leur enthousiasme et toujours de nous poser des bonnes questions et de, et de nous aider à faire une super émission. Voilà. Et, et merci ex... à Joe aussi. Exactement, parler. ouais. Merci à Joe. Merci à la team Asie. Euh, que l'on retrouvera forcément, bien sûr. Merci évidemment à vous tous dans le chat qui est toujours présent et qui, voilà, hein, rendaient aussi cette émission euh, vivante. Et merci de, la, de, de nous suivre tous les soirs. Merci à ceux qui regardent en replay en ce moment sur YouTube ou qui écoutent sur les plateformes de podcast. Si vous êtes en direct avec nous, donc maintenant, vous ne bougez pas. On revient d'ici 5 minutes à peu près pour enchaîner sur le Pro Olympico pour, comme le dit Francky, qui fait le, mach, le Machera Nobol, vous allez adorer. Et pourtant, sur le terrain, je peux vous assurer qu'il va y avoir du, 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 du monde et du beau monde. Si vous aimez Thiago Almada, c'est dans 5 minutes. Merci à tous. Sinon, à demain 23h, si vous ne restez pas sur le live, mais restez un petit peu, vous allez voir, ça va être pas mal. Sinon, demain 23h pour un nouvel épisode de Genre de Coupe. À demain, si vous voulez, pour continuer à suivre l'Asie et l'Afrique avec la team Lucarno Posé. Salut tout le monde.